Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste marché pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 12 janvier 2021. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission où nous allons parler indices, actions, matières premières, bitcoin. Bienvenue à tous. Je rappelle que je serai absent. Euh, mardi prochain, mardi 19 janvier. Donc je vais vous faire une sorte de briefing sur ce qu'il vient de se passer en début d'année, vous donner quelques clés de lecture, euh, vous rappeler quelques exemples graphiques de belles sociétés en tendance, en trend-following, et puis je vous laisserai pour une dizaine de jours afin de réaliser une petite pause. Avant toute chose, un avertissement sur les risques, les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et appréhender les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Je vous rappelle que sur le site Zone Bourse, vous pouvez retrouver tous les matins le Morning Meeting d'Anthony Bondin. Vous pouvez le retrouver en version écrite, mais aussi en podcast audio. Tous les jours sur le site Zone Bourse, vous pouvez retrouver également la revue de presse de Roxane Nojac, une vidéo qui reprend donc les actualités boursières à travers la planète. Et puis comme d'habitude, on se retrouve donc pour les marchés en action tous les mardis. Je réalise la vidéo le matin et je vous la publie pour l'heure du déjeuner. Et j'espère que vous appréciez toujours autant ce rendez-vous. J'en profite pour remercier tous ceux qui regardent la vidéo, puisque vous avez été 20 000 personnes à regarder la première vidéo de l'année. Merci à tous. Au sommaire de cette émission, nous allons faire un focus marché pour voir les derniers grands décalages sur les principaux actifs. Je ne passerai pas en revue aujourd'hui les actualités actions car bientôt nous aurons les publications d'entreprise et je ferai un focus spécial là-dessus à mon retour de vacances. On parlera des quelques actualités économiques et puis du top flop macroéconomique des graphiques venant de grandes banques ou venant de Bloomberg qui permettent justement d'imager mes propos. Et dans une deuxième partie d'émission, nous passerons à l'analyse de vos actions préférées. Alors on commence avec le focus marché. Les semaines se suivent et se ressemblent. Nouveau record historique sur les indices américains qui se cherchent autour de leur pivot annuel. Le pivot annuel, je vous l'ai expliqué dans l'émission de la semaine dernière. En fait, c'est l'ouverture de la première séance de 2021. Début 2021, on a commencé par une faiblesse. On a baissé un petit peu, puis on est repassé positif sur l'année. On se cherche attentiste sur ces zones de prix toujours positif, toujours haussier, mais en attente de catalyseurs supplémentaires. Les marchés ont été bien évidemment soutenus par les espoirs d'argent frais, les espoirs de banque centrale, mais aussi du gouvernement américain, et Joe Biden, le nouveau président américain, a rappelé qu'il fallait absolument envoyer non pas 600, mais 2000 dollars à chaque Américain qu'il puisse subvenir à leurs besoins. Et qui dit argent frais, dit soutien à la consommation et dit donc soutien indirect, voire direct, au marché financier. La rapidité de la campagne de vaccination contre le Covid-19 sera vraiment un élément clé de la reprise. Un élément clé de la reprise aux États-Unis, en Europe, en Asie. Principalement, on va dire, aux États-Unis et en Europe. D'ailleurs, Bruno Le Maire s'attend à une vive reprise de la croissance au second semestre 2021. Et la prévision gouvernementale pour 2021 est de 6 de croissance. Donc ce sera vraiment un gros défi pour cette année. C'est ce que euh, l'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire qu'après euh, une dépression en quelque sorte en 2021, eh bien, on aurait un effet rebond, reprise, relance économique avec les vaccinations qui doivent aller le plus vite possible pour permettre à l'activité économique de reprendre. Le 440 tente de s'affranchir des 5600 points. C'était une barrière sous laquelle il végétait au mois de décembre. Nous avons réussi à passer ce seuil la semaine dernière. Nous sommes installés au-dessus. Pour l'instant, le 440 manque un petit peu de catalyseur. Il se cherche en attendant la campagne des résultats qui va débuter. On notera que de nombreux dossiers trend following continuent leur course haussière. Qu'est-ce que le trend following C'est une méthode de suivi de tendance. Vous entendez souvent ce mot-là dans mes analyses. Vous le voyez également sur Twitter. Souvent, ce sont des exemples de dossiers qui cassent leur plus haut annuel, qui cassent leur plus haut historique, qui sont dans de très belles dynamiques haussières. J'en ai sélectionné euh, un bon nombre pour la partie analyse action pour vous montrer de nouveau des exemples euh, de valeurs sur lesquelles on peut se laisser porter le plus longtemps, le plus haut possible. On notera par ailleurs que euh, le dollar américain s'est repris car nous avons eu une violente remontée des taux d'intérêt réels aux États-Unis. Alors qu'est-ce que cela veut dire en fait, les opérateurs anticipent de l'inflation, avec la hausse euh, des matières premières qui est généralisée, et de la reprise économique en 2021. Du coup, on a des anticipations d'inflation et de croissance économique qui sont en train de tirer les taux d'intérêt américains à la hausse. Et qui dit remonter des taux d'intérêt dit remonter du dollar américain. La semaine dernière, dans la première émission de l'année, je vous ai expliqué que le consensus des opérateurs, des analystes, était extrêmement baissier sur le dollar. Si le dollar baisse, bien évidemment, l'euro-dollar va monter. Les matières premières vont être soutenues. Le Bitcoin va également profiter de la baisse du dollar. Mais comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, si le dollar ne baisse pas, là où tout le monde s'attend désormais à ce qu'il baisse, si on a justement une remontée du dollar, eh bien ça peut engendrer des soubresauts, de la volatilité, des replis sur les principaux actifs dénominés en dollars, que ce soit les paires en dollars comme l'euro dollar ou bien les métaux ou bien le bitcoin. Et donc, euh, c'est ce que nous avons connu notamment sur l'or. Euh, l'or et l'argent avaient bien commencé l'année. L'or s'est tapé la tête contre la résistance des 1960 dollars, n'est pas passé. Les taux sont remontés, le dollar a rebondi, et donc on a eu un contre-coup, un contre-choc baissier sur les métaux. Ces derniers restent globalement haussiers à moyen terme, mais à court terme, on notera donc cette pression exercée par les anticipations de reprise économique et cette hausse du dollar. La seule matière première qui continue sa course haussière, c'est le pétrole. Le pétrole a dépassé les 50 dollars, soutenu par les espoirs de forte croissance en 2021. Je vous en avais déjà parlé en octobre, en novembre, et j'avais expliqué qu'un de mes calls, c'est-à-dire qu'une de, de mes grosses stratégies pour l'année 2021, eh bien ce serait une remontée progressive du pétrole en direction des 60 dollars. Parce que justement les opérateurs joueraient une reprise de la croissance, et c'est également pour ça que j'ai rédigé pas mal d'analyses haussières sur les valeurs du secteur pétrolier. Enfin, on notera que le bitcoin est emprunt d'une volatilité extrême. Mardi dernier, lors de l'émission, il était à 30 000 dollars. Entre temps, il est monté à 42 000 dollars. Il a donc gagné 40% très rapidement. Et euh, il est retombé euh, sur les 30 000 dollars hier et se stabilise aujourd'hui à 35 000 dollars. Euh, J'ai fait une émission sur BFM vendredi dernier. C'était une sorte de première puisque c'était le lancement d'une émission spéciale sur les cryptos. Et dans cette émission, en fait, je n'ai pas laissé entendre s'il fallait acheter du Bitcoin à 30 000, à 35 000 ou à 42 000. J'ai tout simplement laissé entendre que les crypto-monnaies étaient une nouvelle classe d'actifs, qu'il fallait les prendre en considération. Le Bitcoin ne peut pas être considéré pour l'instant comme une monnaie euh, à part entière, même s'il est en train de connaître un essor. Euh, il a énormément d'intérêt, mais il a aussi des, 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 des points négatifs, bien évidemment, comme sa volatilité. Euh, C'est un sujet sur lequel vraiment euh, tout le monde s'affronte, ceux qui adorent, ceux qui détestent. Moi j'aimerais bien un peu dépassionner ce débat. Soit on ne s'y intéresse pas, soit on s'y intéresse un peu. Et comme je le dis depuis plusieurs trimestres maintenant, je considère qu'il est légitime pour un investisseur d'avoir un petit peu de crypto-monnaie dans son portefeuille global dans une optique de diversification. Je ne parle pas de 20% ou de 50% de crypto, mais bien de 2, 3, 5% de crypto dans un portefeuille diversifié. Et considérant la méthode, considérant la, la méthode d'achat éventuelle que l'on peut opérer sur les crypto-monnaies, eh bien, généralement, je recommande la méthode DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Average. Cela veut dire que l'on va acheter régulièrement un petit peu de Bitcoin tous les mois ou tous les trimestres pour pouvoir lisser son prix d'achat. Et parce que l'on n'est intéressé que par le long terme. On sort du côté trading, court terme, essayer d'attraper le point haut et le point bas. Et on va tout simplement en acheter régulièrement pour se créer une poche crypto-monnaie de la même manière que certains achètent de l'or tous les trimestres ou tous les ans depuis des années pour se constituer une poche matière première. Donc voilà pour cette introduction des marchés qui se cherchent, qui restent globalement soutenus par des promesses de liquidité, euh, mais on notera quand même un, une sorte de changement d'état de, d'esprit des opérateurs concernant les anticipations de croissance, les anticipations d'inflation, euh, la remontée des taux et donc <coughs> la remontée à court terme du dollar américain. On va passer aux actualités économiques. Il n'y a pas énormément de statistiques économiques, mais il faudra, je pense, suivre ces, ces statistiques très bientôt puisque... Comme je vous l'ai expliqué en début d'émission, l'année 2021, c'est l'année de la reprise, du rebond. Donc, les opérateurs vont scruter avec attention les statistiques macroéconomiques dans les mois à venir pour pouvoir valider justement ces espoirs de reprise. On notera la semaine dernière que les PMI des services en Europe sont tous ressortis inférieurs aux attentes, sauf en Espagne. Le secteur des services est bien évidemment touché par l'épidémie de Covid. On notera donc que. Ah voilà, j'ai encore une alerte. Alors, quand j'ai une alerte qui sonne dans une émission, ce n'est pas un signal d'achat. Hein. Sachez-le, c'est parfois juste une petite alerte euh, à regarder. On va jeter un petit coup d'œil pour regarder la valeur en question. C'est Sword Group. Bon, il se trouve que Sword Group est une société qui est extrêmement bien notée sur le site de Zone Bourse. C'est euh, une société que je surveille et que je trouve attractive. On est euh, ces derniers temps dans une sorte de triangle dont peut-être que les cours sont en train de s'extraire par le haut. Donc voilà, ce n'est pas un signal d'achat ni une recommandation, mais il se passe effectivement peut-être quelque chose sur ce dossier. Attention néanmoins à la liquidité, il y a très peu de titres échangés. On parle de euh, 100 000 euros échangés tous les jours et j'aimerais pas qu'on dise que je manipule des petites actions, tel n'est pas mon but. Euh, voilà, donc Sword Group a sonné. Reprenons. Euh, donc voilà, en Europe, toujours euh, un secteur des services euh, déprécié et il faudra que euh, ces chiffres remontent pour redonner de la confiance. Aux États-Unis, on a eu les chiffres de l'emploi vendredi dernier, euh, moins 140 000 créations d'emplois, donc des destructions d'emplois aux États-Unis. Point positif, le taux de chômage est ressorti en baisse à 6,7% alors que le consensus attendait 6,8%. À ne pas rater euh, bientôt la saison des résultats, donc c'est ce qui va rythmer les échanges dans les semaines à venir, euh, les résultats des entreprises françaises, américaines, on va voir justement euh, comment les sociétés s'en sont sorties à la fin de l'année, et euh, cela devrait engendrer de la volatilité sur pas mal de dossiers. À noter cette semaine en Europe des petites statistiques hein, de faible importance. Production industrielle en zone euro mercredi à 11h. Balance commerciale vendredi à 11h. Aux États-Unis, on notera le CPI, donc les chiffres d'inflation mercredi à 14h30. Un discours de Jérôme Powell, le président de la Banque Centrale Américaine, jeudi à 18h30. Et enfin, les ventes au détail vendredi à 14h30. On passe maintenant au top flop. Donc, ici, le but, c'est de vous montrer des graphiques macroéconomiques afin de décrypter un peu ce qui se passe euh, globalement sur les marchés. À gauche, donc, les tops, à droite, les flops. On commence par euh, l'indice de la capitalisation boursière mondiale qui monte en ligne droite. Vous voyez ici le petit trou d'air, enfin, le gros trou d'air du Covid où la capitalisation boursière mondiale est passée de 90 000 milliards à 60 000 milliards. Donc, on a perdu 33 en l'espace de quelques semaines. Depuis, on a pratiquement doublé. Euh, on est repassé de 65 000 milliards de dollars à 106 000 milliards de dollars, nouveau record historique de la capitalisation boussière mondiale, grâce aux anticipations de croissance et de reprise économique et grâce évidemment à l'argent injecté par les gouvernements et surtout par les banques centrales qui offre une sorte de coussin de sécurité et qui laisse entendre en quelque sorte aux opérateurs que les marchés sont indestructibles. Résultat, tout le monde passe à l'achat et on assiste à une sorte de FOMO. Le FOMO, c'est une expression américaine qui veut dire Fear of Missing Out. C'est la peur de louper le train qui fait que les opérateurs se ruent sur le marché action. Euh, ici à droite, c'est un graphique de l'action Alibaba. Euh, en dollars euh, hongkongais. Et euh, on peut voir que, ici, tout en haut, sur les plus hauts historiques, Jack Ma avait critiqué euh, le gouvernement et les banques euh, chinoises. On peut voir que depuis, le cours de l'action a perdu 30%. Et nous n'avons pas de nouvelles de Jack Ma depuis maintenant 2-3 mois, me semble-t-il. Dans les médias, aucune apparition, rien du tout, on ne sait pas s'il a disparu ou pas. Toujours est-il que lorsque vous voyez qu'un chef d'entreprise se fait un petit peu tacler par le gouvernement chinois et qu'il y a de l'eau dans le gaz dans leur relation, mieux vaut ne pas forcément se jeter sur l'action en question. Action qui est revenue sur une zone historique de prix et on espère que Jack Ma va se montrer, ce qui permettrait peut-être au cours de se reprendre. A contrario, la situation pourrait se compliquer. Ici, à gauche, vous avez le Buffett Indicator, donc un, un indice qui est regardé par Warren Buffett. C'est la capitalisation boursière mondiale rapportée au PIB mondial. Et donc, vous pouvez voir qu'on est à 121%, c'est-à-dire que la capitalisation boursière mondiale que vous venez de voir juste avant, dépasse, pèse 120% du PIB mondial, qui lui est autour des 90 000, 95 000 milliards de dollars. Euh, Warren Buffett, historiquement, avait tendance à dire que lorsque la capitalisation boursière mondiale dépasse le PIB mondial, c'est que ça devient cher. C'était euh, notamment le cas en 2007, avant la crise des subprimes. Et vous pouvez voir que de nouveau, on est de retour sur les plus hauts, sur pratiquement tous les indicateurs. Qui montre que les marchés sont entre guillemets chers et ils le sont, on le sait, parce qu'ils sont soutenus par des quantités d'argent astronomiques déversées par les banques centrales. Le flop ici à droite, c'est une dynamique haussière déplaisante c'est le nombre de décès de coronavirus en Angleterre, en Italie, en Espagne. On a des chiffres qui continuent de grimper alors que les chiffres s'étaient stabilisés. Pendant l'été, et eh bien au quatrième trimestre, ça repart à pleine vitesse. Donc ici, c'est la course contre la montre. Il faut absolument que les vaccinations avancent plus vite que le coronavirus fait de mort. On espère que les gouvernements arriveront à mettre en place toute la logistique nécessaire à vacciner les populations le plus vite possible. Ici à gauche, euh, vous avez Tesla et le Bitcoin. Alors j'ai marqué Tesla, Bitcoin, même combat, l'euphorie est à son comble. J'ai l'impression, si vous voulez, que euh, les marchés actuels sont extrêmement haussiers, soutenus par des, des liquidités vraiment omniprésentes. Euh, ce sont des marchés aussi qui qui sont recherchés par des néo-traders, des nouveaux traders. Aux États-Unis, on n'a jamais eu autant de, de, de comptes ouverts de, de nouveaux investisseurs. On n'a jamais eu autant de personnes qui tradent les options et qui traitent Tesla et les actions haussières américaines avec des options. Euh, ce qui peut engendrer des accélérations haussières, mais aussi, quand ça baisse, des accélérations baissières. Bref, Tesla, le Bitcoin, c'est un petit peu... Euh, euh, bah, l'image de cette fin 2020, de ce début d'année 2021, des marchés qui sont haussiers, qui sont dans des hausses stratosphériques, euh, euh, historiques et, et impressionnantes. Et, et on a l'impression, en quelque sorte, que ce sont un peu les mêmes opérateurs qui sont sur le Bitcoin et sur Tesla, des opérateurs qui font un petit peu fi. Euh, des valorisations peut-être, des anticipations et qui, euh, tant que c'est haussier, continuent d'en de, euh, profiter à l'achat. Ici à droite, euh, vous voyez un graphique euh, de l'or en jaune et des taux euh, réels aux États-Unis euh, inversés. Et donc en fait, vous voyez, quand les taux baissent, l'or monte. Quand les taux montent, l'or baisse. Et donc vous voyez, la corrélation est pratiquement parfaite. En ce moment, donc, on a des taux qui remontent, euh, des anticipations de croissance et d'inflation, un dollar qui remonte et donc l'or qui en pâtit. Ici à gauche encore un graphique qui reflète euh, bah, la, la, la folie furieuse de la hausse actuelle des marchés. Vous avez le Nasdaq composite qui dépasse les 13 000 points. Il a pratiquement doublé depuis euh, son point bas du Covid. Euh, C'est un méga trend, une méga tendance. Euh, C'est-à-dire que les opérateurs euh, jouent la digitalisation du monde et le fait que Covid ou pas Covid, ralentissement économique ou pas, le secteur technologique capte une grosse partie de la croissance euh, et des bénéfices euh, de la planète. A droite, vous avez un autre graphique qui vous montre un petit peu la folie furieuse actuelle, notamment sur Tesla, qui dépasse les attentes les plus optimistes. Tesla sera peut-être... Euh, donc le premier constructeur automobile avec une capitalisation boursière qui dépasserait les 1000 milliards de dollars. Tesla pèse plus aujourd'hui que l'ensemble de tous les autres grands constructeurs mondiaux réunis. Certains diront que c'est légitime puisque Tesla travaille à l'avenir et pourrait gagner 10% des ventes automobiles mondiales. Et d'autres pensent que c'est une hérésie et que ça représente bien la folie du marché action en 2020-2021. Nous aurons peut-être une réponse à cela dans les trimestres à venir. En attendant, ceux qui sont sur Tesla, bravo à eux, puisque ils ont damé le pion à tout le monde. Et puis dernier graphique, un graphique du Bitcoin. Euh... Alors je vous ai posté ce graphique la semaine passée quand le Bitcoin était autour des 40 000 dollars. Euh, et je disais en fait que le Bitcoin est soutenu par une tendance haussière, par des volumes entrants historiques, par des entreprises américaines qui placent leur trésorerie dessus. Mais que le seul bémol était que la hausse se faisait d'une façon parabolique. Or, en bourse, une hausse parabolique n'est pas tenable. Et donc j'avais fait un graphique. Pour dupliquer en fait la théorie que vous voyez ici à droite. Euh, en fait ici c'est la formation d'une courbe haussière parabolique avec une base 1, base 2, base 3. À partir de la base 3, il est dit qu'on peut gagner 100% très rapidement et qu'ensuite par contre si on casse la parabolique haussière, ça peut aller vite à la baisse. Et donc euh, voilà, je vous avais préparé ce graphique avec des cours à 40 000, avec une base 1, une base 2, une base 3 qui avait eu lieu sous les 20 000, sous les plus hauts historiques. Le point bas de la base 3 est autour des 18-19 000 dollars, donc ça laissait entendre une montée potentiellement vertigineuse vers les 40 000 dollars. Ça a été fait. Et ce que je laissais entendre, c'est que cette hausse parabolique n'était pas tenable et qu'à un moment donné, bien évidemment, on aurait un contre-coup, une correction, euh, une consolidation légitime. Rappelons que les cours du Bitcoin étaient à 5 dollars euh, en mars 2020. Et qu'ils ont donc fait x8, ils ont gagné 700% en l'espace de moins d'un an. Donc ils font bien aussi que les cours consolident. Et à moyen long terme, la grosse zone de soutien se trouve désormais entre 20 et 25 000 dollars. Elle correspondrait à un retour des prix vers les anciens plus hauts historiques. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Le but, c'est de vous donner les clés de lecture, de décrypter l'actualité, de vous montrer par des news, par des graphiques, euh, par des statistiques historiques ce qu'il se passe sur les marchés, que vous puissiez vous-même apprécier donc l'environnement dans lequel vous tradez ou vous investissez à court ou à moyen terme. Et puis, euh, dans la deuxième partie d'émission, on va regarder euh, bah, les principaux actifs rapidement. Euh, le CAC, euh, l'or, le Bitcoin, et puis on passera sur vos actions préférées. Euh, des actions où on m'a posé des questions sur Twitter ou en privé, des grosses actions du CAC sur lesquelles on verra en quoi certaines configurations sont intéressantes ou non, quelques actions étrangères, et puis euh, les bons élèves, euh, les valeurs de trend following euh, qui sont parmi mes valeurs préférées. Euh, le trend following est ma méthodologie préférée. Lorsqu'on fait du trend following et qu'on ne regarde que les actions qui cassent leurs plus hauts régulièrement, des plus hauts annuels, des plus hauts historiques, et que l'on étudie leurs fondamentaux, on se rend compte que dans 95% des cas, il s'agit de bonnes entreprises dans de bons secteurs avec de bons résultats. Alors parfois, ce sont des dossiers qui se payent cher. Je pense notamment à NEOEN, qui est passé de 20 euros l'année dernière à 70 euros en ce début d'année. C'est un dossier qu'on adore, qui est un petit peu cher, mais je vous rappelle que ce qui est rare est cher, un petit peu comme McPhee, le spécialiste de l'hydrogène. Donc bien évidemment, il y a un moment donné où les dossiers trend following s'arrêtent, mais en attendant, c'est un petit peu comme les chaises musicales. Tant que la musique bat son plein, on continue d'en profiter en remontant son stop au fur et à mesure et puis à un moment donné si le marché n'en veut plus et que ses valeurs cassent leur dynamique haussière les stops de protection vous permettront de sortir, de concrétiser des gains et de euh, patienter, d'analyser, de chercher d'autres euh, dossiers euh, sur lesquels vous pourrez vous intéresser. Petite pause café et je reviens tout de suite donc pour euh, toutes ces analyses à tout de suite. Reprenons et on va passer sur la plateforme ProRealTime. Hop, donc on commence par le 440. Ici, vous avez la crise du Covid, la reprise en Dentsy, de les élections américaines, le vaccin de Pfizer, tout ça qui nous a redonné une dynamique haussière des prix, des prix qui sont toujours soutenus. On a cassé les 5600 points, donc les plus hauts de fin d'année. En ce début d'année, mercredi dernier, on s'installe au-dessus. Tant qu'on est au-dessus des 5600, 5620, le marché est particulièrement haussier et soutenu et on a toujours de belles opportunités sur des valeurs du SRD, euh, sur des valeurs en train following, etc. Tant qu'on reste donc ne serait-ce que stable au-dessus des 5600 points, tout va bien. Si on monte à 5800 points grâce à des catalyseurs positifs, là on aura de nouveau des valeurs SRD et 440 qui pourraient connaître de nouveaux décalages haussiers. Si au contraire on passe, notamment peut-être avec la publication de la saison des résultats, sous les 5600 points, là il conviendra de lever un petit peu plus le pied, d'être un peu plus prudent, d'alléger un petit peu son portefeuille et d'espérer pourquoi pas d'acheter plus bas des dossiers de qualité sur des supports, sur des replis, parce qu'actuellement, quand on regarde certaines configurations, et eh bien, il est difficile de rentrer en pleine explosion haussière. Je vous montre l'euro-dollar qui nous avait donné hein, déjà une indication selon laquelle le dollar américain pourrait arriver sur une zone d'importance, puisque ici sur l'euro-dollar, depuis un an et demi, on a une oblique qui passe par tous les plus hauts, et donc vous voyez que cette oblique a bien fait son job. Ici à 1,23.30, euh, donc l'euro-dollar s'est replié suite au euh, regain d'intérêt sur le dollar américain. Si dans les semaines qui viennent, on vient à casser cette zone de prix ici, les 1,21, et que l'on revient vers les 1,19, voire même les 1,17 à moyen terme, ça veut dire que euh, le dollar se reprend très nettement, ce qui pourrait peser sur les métaux, ce qui pourrait peser également sur euh, les crypto-monnaies. Si au contraire l'euro-dollar arrive à se maintenir au-dessus des 1,21, voire à repartir dans le sens de sa dynamique haussière de moyen terme, euh, eh bien ce sera l'inverse. On peut regarder également l'or. L'or le voici, toujours haussier à long terme, toujours haussier à moyen terme, et toujours cette moyenne mobile à 200 périodes qui est extrêmement importante. Donc fait positif, les cours de l'or étaient en train de s'échapper en début d'année de ce canal baissier. Il n'avait plus qu'à casser les 1960 dollars pour valider cet espoir de reprise, mais la résistance a fait son job. On est repassé de résistance à support. Pour ceux qui font du moyen terme, ça ne change pas grand-chose. Tant que l'or est soutenu, fait des plus bas de plus en plus haut. Tant qu'on est au-dessus des 1750-1800 dollars, c'est aussi à moyen long terme. Simplement parce que les taux d'intérêt et le dollar se reprennent à court terme, eh bien on pourrait continuer de se maintenir dans un range et de latéraliser. Encore un petit peu. Et puis le Bitcoin, le voici, avec la base 1, la base 2, la base 3, à partir de laquelle on a gagné 100%. On est allé un peu haut, un peu vite. Ce qui a engendré justement cette correction des prix de 42 000 à 30 000 dollars. On ne peut pas dire non plus que ce soit une baisse historique qui casse quoi que ce soit. Regardez le graphique en données hebdomadaires. On a une grosse zone de soutien autour des 12 000 dollars. On a une énorme zone de soutien ici autour des 20 000 dollars et euh, on est revenu qu'à 27, euh, 30 000 dollars ce, cette semaine. C'était les 30 000 dollars mon objectif pour euh, 2021. En fait, quand on était au mois de novembre à 15 000 dollars, j'ai dit en 2021, je vise 30 000 dollars sur le bitcoin parce que la configuration était extrêmement haussière et que c'était un peu une configuration bouchon de champagne. Ça veut dire qu'une fois qu'on cassait les plus hauts historiques, il n'y avait plus aucune barrière euh, psychologique, théorique, historique. Et c'est ce qui explique justement cette explosion haussière des cours. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Euh, et parfois, il vaut mieux attendre euh, de voir. Euh, la seule chose que je sais, c'est que pour ceux qui veulent acheter sur repli à moyen-long terme, un trou d'air en direction des 20-25 000 dollars serait une, bah, une bonne opportunité. Mais je ne vois pas encore ce qui pourrait le faire baisser de 30 à 40% pour revenir dans cette zone de prix. Nous verrons cela plus tard. On va donc revenir à notre listing action. Ah oui, je peux vous montrer aussi le pétrole rapidement. Le pétrole, le, le voici en données journalières. Donc, souvenez-vous, hein, dans toutes mes émissions depuis plusieurs semaines, vous voyez ces flèches à long terme, à moyen terme, à court terme. Euh, comme je le disais dans l'émission précédente, j'aurais bien aimé un retour du pétrole vers 43 dollars pour pouvoir en acheter, pour pouvoir acheter des sociétés pétrolières moins chères. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Il est passé en force à casser ses plus hauts annuels, enfin à casser. Euh, le, les plus hauts débuts d'année a cassé les 50 dollars on est à 53 dollars donc on n'est plus qu'à on n'est plus qu'à 13 14% de mon objectif annuel de 60 dollars euh, Tout va très vite en ce début d'année c'est vraiment hallucinant je reste haussier sur le pétrole à moyen terme euh, mais j'espère je, un repli pour pouvoir euh, émettre des stratégies d'achat dessus. Pour le moment, acheter en pleine euphorie, en pleine hausse, ne me met pas très à l'aise. On va donc maintenant passer aux actions. Euh... Et je voulais aussi vous parler de la chaîne YouTube de Zone Bourse, euh, parce que vous avez dans les vidéos. Alors, vous allez sur la chaîne YouTube de Zone Bourse, et vous allez dans l'onglet vidéo. Et là vous voyez toutes les dernières vidéos dans lesquelles vous retrouvez mes passages et surtout vous retrouvez les superbes vidéos de Xavier Delmas. Euh, je vais être absent dans les 10 jours qui viennent. Donc pendant ce temps-là, faites-vous plaisir. Il y a de très très bons doss... euh, très très bonnes vidéos dedans. Il y a notamment deux vidéos sur le Bitcoin que j'ai dévorées qui sont très intéressantes. Une vidéo sur la bourse au plus haut, est-ce qu'on peut monter plus haut Xavier donne quelques éléments de réponse. Et aussi une vidéo très intéressante, faut-il suivre les recommandations des analystes C'est également un sujet très intéressant. Allez, on prend notre liste action. Donc là, dans le cas et le SRD, j'ai pris des gros dossiers sur lesquels on m'a posé des questions. Je commence avec Danone. Euh, donc là, vous voyez typiquement que c'est le genre de configuration qui ne m'intéresse pas particulièrement. Pourquoi Parce que Danone est dans une tendance baissière à court terme et à moyen terme. Euh, c'est une action qui, pendant des années, vous voyez ici un graphique mensuel, euh, donc pendant 25 ans était dans ce canal haussier, était euh, fortement euh, soutenu. Et là, on est passé du haut de canal au bas de canal très violemment. Alors, c'est un point positif, hein, ce bas de canal, la zone des 50 euros, elle a tenu et peut-être que si on y retournait de nouveau, il y aurait euh, des entrants euh, intéressés par le dossier. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui va se créer dans cette zone de prix et qui nous permettra de nous y intéresser. Mais à court terme, pour le moment, ça reste quand même baissier. On a des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Le seul point un petit peu positif, si vous voulez, c'est euh, la stabilisation des prix. Ces dernières semaines, on va dire qu'on est passé d'une dynamique fortement baissière à une dynamique un petit peu plus neutre. Pour autant, pour passer de neutre à haussier, il faut réussir à casser cette zone de résistance, la zone des 55-56 euros. Elle correspond au plus haut du mois de septembre, au plus haut du mois de novembre. On a buté dessous en ce début d'année, début janvier. Donc ici, en quelque sorte, rien ne sert de se presser. Euh, soit les cours vont retomber en direction des 50, 49, 50 euros, soit la borne basse de notre canal haussier de long terme que je vous ai montré il y a quelques instants. Et si on voit une réaction positive se faire dans cette zone de prix, certains seront peut-être intéressés par justement mettre à profit ce bas de canal long terme haussier. Euh, ceux qui attendent un regain d'intérêt auront tout intérêt à patienter. Et à attendre une véritable cassure, un véritable signal, la cassure des 55-56 euros, qui voudra dire que les opérateurs sont de retour, en veulent, sont prêts à acheter. Et à ce moment-là, donc, se positionner à l'achat si on casse cette barrière des 55-56 euros, en attendant pas grand-chose à faire là-dessus. Euh, française des jeux, Française des jeux, c'est une valeur trend-following. J'aurais pu la mettre dans les valeurs trend-following. Euh, superbe dossier. Euh, qui monte pratiquement tout le temps. Donc ici, on aimerait bien pouvoir en acheter sur repli. Bien évidemment, tous ceux qui ont du Française des Jeux les gardent en espérant leurs actions gratuites. Pour ceux qui n'en ont pas euh, et qui essayent de définir des zones de prix, euh, je dirais qu'on a une première zone de prix ici entre 35 et 36 euros, qui correspond aux mèches. Du mois d'octobre et au mois de novembre. Ça a été une zone de résistance, c'est désormais une zone de, de support théorique. Et puis la deuxième grosse zone de soutien, ce sont bien évidemment les 32 euros. Les 32 euros, c'est les plus hauts du mois de juin 2020, les plus hauts de cet été, qui ont été dépassés puis retestés. Et donc voilà, 35 et 32 sont deux zones de prix euh, d'achat théorique sur repli, dans le sens de la dynamique haussière. Et il faudra peut-être patienter, euh, peut-être qu'elle n'y reviendra pas. Donc euh, bah, si vous en avez bravo, si vous n'en avez pas, euh, il convient de patienter et d'escompter un retour sur des zones d'achat. Michelin. Alors Michelin, c'est un exemple de valeur qui est à la croisée des chemins puisque nous avons ici euh, la dynamique baissière de long terme, c'est-à-dire... Euh, la dynamique de fond qui dure depuis deux ans et qui est baissière, qui s'entrechoque avec la dynamique haussière qui dure depuis le choc Covid. Donc on a une dynamique haussière en données journalières et en données hebdomadaires sur les derniers mois, mais on a une dynamique baissière mensuelle. Et là, on arrive à la croisée des chemins. Ce que fait Michelin en ce moment, ici, me fait penser à ce que Michelin avait fait ici. Donc, le titre, c'était Chercher un certain temps avant d'en sortir par le bas. Ici, il se cherche un certain temps. Va-t-il en sortir par le bas ou par le haut? Telle est la question. Un petit peu comme sur Danone. Euh, j'aimerais bien voir, si vous voulez, cette zone de prix ici, les 111 euros, 111, 112 euros, qui correspondent au plus haut de janvier 2020 et février 2020, et qui correspondent aussi à l'oblique baissière passant par les plus hauts. Eh bien, j'aimerais voir cette zone cassée pour de bon pour que l'on puisse dire que la dynamique haussière de court terme et de moyen terme vient de euh, transformer également la dynamique haussière qui repasserait positive. Donc on est à la croisée des chemins. Euh, point positif pour les acheteurs, on a créé une belle base de soutien ici à 103 euros. Ça veut dire que pour ceux qui sont à l'achat et qui ne savent pas trop quoi en penser, vous pourriez éventuellement remonter vos stocks de protection sous les 103 euros. Comme ça, si la valeur finit par sortir par le haut, casser les 112 et accélérer, tout va bien. Mais si elle finit par sortir par le bas de cette zone de congestion, eh bien, vous préféreriez peut-être à ce moment-là couper la position, encaisser vos gains sur le chemin parcouru et passer à autre chose, placer une alerte à 111 ou à 112 pour y retourner éventuellement le jour où elle casserait cette zone de prix. Nexence, on en a parlé, je crois pas que c'était la semaine dernière, c'était peut-être il y a deux semaines, comme d'une valeur CAC qui fait un, un cheminement parfait. On avait d'abord regardé le graphique en données mensuelles et on s'était rendu compte qu'avec le choc du Covid, les cours étaient revenus ici à 22-23 euros. Et les 22-23 euros, c'était quoi Eh bien, c'était les plus bas de 2018, c'était les plus bas de 2014, de 2012 et de 2009. Donc vraiment un méga support de très très long terme. On a tenu cette zone de prix, on s'est violemment repris par la suite. Et comme je l'écrivais sur Twitter récemment, la cassure des 60 euros laissait entendre un ralliement potentiellement rapide des 68 euros. Et voilà qui a été fait en l'espace d'une semaine. Les cours ont donc accéléré fortement la cassure des 60 euros pour aller chercher les, les 69 euros exactement. Vous voyez ce matin qu'on assiste à une mèche on est passé de 68 à 65 euros, mais que les cours tiennent bien pour le moment. Certains couperont la position avec de beaux gains d'autres remonteront éventuellement leur stop sous la mèche du jour pour pouvoir garder la position pour les résultats en espérant que cette zone des 68, 69 euros soit dépassée pour pouvoir aller chercher la suivante. Euh, voilà le seul constat si vous voulez ici c'est que bah, on a eu une cassure ici avec un pullback là, une cassure de résistance ici, une autre là, et donc voilà, c'est le concept de la dynamique haussière. On essaye d'attraper le train en route pour pouvoir se laisser courir le plus longtemps possible en remontant ses stops de protection sans les mettre trop proches des cours et euh, et, on, et on sourit et on sourit parce qu'on fait des beaux gains sur Nexens. Et pour ceux qui sont prudents, si c'était un trade rapide à la cassure des 60 euros, vous gagnez 12-13% en l'espace de quelques jours. N'oubliez pas peut-être. De prendre quelques gains, prendre quelques gains parfois ça veut dire couper 20% de la position, 30%, pour certains 50%. Ça permet de débloquer des liquidités, ça permet de sourire, ça permet de, de faire du bien à votre cerveau, d'annihiler le risque sur la position et d'être moins stressé potentiellement. Orange. Bah ben ici orange c'est un peu l'exemple d'une action qui ne nous intéresse pas particulièrement. Euh, on se souvient de l'épaule tête épaule qu'avait formé Orange ici au mois de octobre novembre à la cassure de cette épaule tête épaule, on pouvait donc reporter la hauteur de la figure à la cassure, ça donnait un objectif théorique vers 10,80, on a fait 10,87. Donc euh, l'objectif théorique de cette épaule tête épaule inversée qui était plutôt propre a été atteint. On est revenu sur la zone de soutien ici, la ligne de coût. Et cette ligne de coût a fait support. Donc on a bien un support ici sur la zone des 9,70€. Mais sinon, vous voyez bien qu'il y a une absence de dynamique des prix qui reste très neutre. Euh, donc pour l'instant, et tant qu'on bloque sous les plus hauts ici à 10,50€, on peut dire qu'on est dans un range. Certains s'intéresseront éventuellement à un retour des prix sur les 9,60, 9,70, d'autres attendront une cassure des 10,50 et en attendant il n'y a pas grand chose à faire dessus. Ensuite on parle de Schneider, pourquoi est-ce qu'on parle de Schneider Parce qu'on ne parle jamais de Schneider et c'est ceux, pro... ceux qui en parlent le moins qui en profitent le plus j'ai l'impression. Un peu, vous savez, comme ce dicton avec les frites, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Euh, bah Schneider, c'est l'exemple d'une société, voilà, extrêmement solide. Le, co le Covid a engendré une baisse des prix qui très rapidement a été effacée, puis l'action a repris sa dynamique de prix. J'en avais parlé en novembre, me semble-t-il, quand elle a cassé ses plus hauts annuels et historiques en disant voilà, c'est ce genre de dossier que l'on recherche. Euh, vous pouvez voir ici toujours très propre hein, la cassure. Est donné on accélère puis les cours font un pullback un pullback c'est un retour sur une cassure la théorie veut que dans une dynamique haussière c'est à dire quand on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut lorsqu'on a une cassure de résistance la résistance cassée devient support théorique donc vous voyez ici on est revenu sur le support puis les cours redémarrent vous avez donc une opportunité d'achat d'entrée sur cassure ou bien sur pullback ou bien sur redémarrage ou bien sur cassure des plus hauts de nouveau ce sont les différentes façons de rentrer à l'achat en trend following. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, eh bien vous pouvez voir que euh, l'action a tendance à suivre cette oblique, cette dynamique des prix et donc on espère à un moment donné que les prix reviendront latéraliseront peut-être vers le bas du canal pour pouvoir se placer à l'achat et euh, profiter de la dynamique de fonds haussière. Et puis enfin pour cette Première catégorie d'actions SRD et CAC, j'ai choisi XFAB euh, pour revenir un petit peu sur ce qui s'était passé sur ce dossier. Donc, comme toutes les actions XFAB en euh, mars-avril 2020, c'est la Cata. À la suite de cette dynamique baissière, les cours se sont placés dans un range. Et je vous ai souvent dit que bah, plus longtemps on passait dans un range, plus la cassure était euh, un signal fort. Alors ici, des signaux, on en avait plusieurs. Si je fais cet exercice, c'est aussi pour que vous les reteniez pour plus tard. Hein. Ce n'est pas pour faire de l'analyse a posteriori et, et vous dire, vous voyez, vous auriez dû, vous auriez pu. Euh, souvent, si je publie des graphiques à caractère éducatif et sur, si je reviens sur ce genre d'exemple, c'est parce que à force de voir ces graphiques-là, ça va rentrer euh, dans, dans votre cerveau. À force de voir ces configurations-là, vous ouvrirez les graphiques et vous verrez. Euh, les cassures, les doubles creux, les retournements. Ici, on a eu un premier point positif quand on a fait ce double creux ici en septembre sur les 2,80 euros. Ça, c'était pas simple. C'est pour les traders les plus agressifs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand il y a un changement d'état d'esprit. Ici, en novembre, les cours sont partis à la hausse et ont cassé la moyenne mobile à 200 périodes. Ça, c'était un beau signal. Ensuite, il y a un deuxième signal très clair. C'est la cassure des plus hauts des six derniers mois qui a été faite en novembre euh, grâce au vaccin. Et donc on est sorti en force. Et puis ici, il y a une bonne nouvelle le 16 novembre qui a confirmé cette cassure avec des volumes. Et ensuite, on a la naissance d'une dynamique haussière. On avait parlé de l'action dans une émission ici, me semble-t-il, en, en décembre. Et je laissais entendre qu'elle faisait une pause et qu'il faudrait casser par le haut la résistance des 4,95 euros pour pouvoir continuer. Elle l'a fait. Elle a gapé à la hausse et c'est justement sur ce gap que je voulais revenir parce que souvent sur les biotech, quand on a des gaps à plus 20, plus 30, plus 40, dans 95% des cas, on va combler ce gap ou en tous les cas le combler en grande partie. Sur les autres actions en général hors biotech, quand on a un gap de 10%, 15%, il est vrai qu'on va généralement stabiliser ou, retra ou retracer dans le gap. Mais, il y a à une propension relativement faible de cas où le gap n'est pas clôturé. Et on appelle ça dans ces cas-là soit un gap de rupture, soit un gap d'accélération. Un gap de rupture, c'est plutôt un gap de tendance haussière naissante. Ici, je pense qu'on peut quand même dire que la tendance haussière était déjà en place. Donc on peut appeler ce gap un gap de continuation. Or, un gap de continuation est un gap qui ne doit pas forcément comblé donc euh, c'est alors je suis en train en même temps de vous chercher quelque chose parce que là j'entends déjà des débutants dire mais qu'est ce que c'est un gap et quels sont les types de gaps et comment on les reconnaît alors vous vous posez cette question là vous tapez les gaps zone bourse sur Google, et là vous tombez sur l'espace pédagogique de zone bourse, le ZB Campus, avec les gaps, le gap commun, le gap de rupture, le gap de continuation, le gap terminal. Et vous avez toute la théorie et vous apprenez. Donc vous voyez souvent sur Twitter, je publie une valeur, je parle d'un gap, et là il y a beaucoup de gens qui me disent Ah bah oui, mais les gaps, comment ça fonctionne, etc. Soyez curieux, faites, faites votre part du job, et regardez, euh, tapez les gaps plus zone bourse. Euh, parfois vous trouverez du contenu sur Zone Bourse, parfois sur d'autres sites, mais en tous les cas, soyez euh, curieux. Et donc ce gap haussier euh, permettait aux acheteurs en position en fait de remonter leur stock de pro de protection sous le gap. Comme ça, si le gap tient et que c'est un gap de rupture, bah, ça permet de se laisser porter. Si on retrace dans le gap, eh bien, on préfère parfois sortir en attendant que le gap soit comblé. Et ici, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a gappé à la hausse, on a consolidé un petit peu, et hier, lundi 11 janvier, la valeur est repartie à pleine vitesse et a cassé son plus haut annuel, qui est également le plus haut de 2020. Donc on a vraiment ici, et quand on prend du recul, ensuite on se rend compte de quoi Eh bien qu'en fait, on est en train de faire une sorte de, de tasse avec anse inversée. C'est ici, vous avez la tasse. Euh, ici, vous avez la hanse. Ici, vous avez la tasse. Donc, c'est un peu le phénomène inversé d'une tasse avec hanse. Mais vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas un double creux. Mais on a un rounding bottom ici, une tentative. Puis ça ne passe pas. On a une grande tasse ici. Et là, on a la cassure. Et cette cassure, elle est forte. Donc, en théorie, c'est vraiment un renouveau pour cette action. Et tant qu'on sera au-dessus de la zone de gap ici à 5,70, voire même des 6,10 6 les plus hauts de 2010, on est sur quelque chose de nouveau, un changement d'état d'esprit des opérateurs pour ce dossier. Et tant qu'on est au-dessus des 5,60, voire des 6 euros, donc les acheteurs ont la main, c'est haussier et on pourra tenter de se laisser porter le plus longtemps possible. On va maintenant passer aux actions internationales. Je commence avec Argenx, une biotech cotée en Belgique. Euh, donc, une action qui est en dynamique haussière de long terme, qui suivait une belle dynamique haussière de prix avec des plus bas de plus en plus hauts, le long d'une oblique haussière. Et ici, en fait, c'est un cas d'invalidation de tendance haussière. Voilà, il faut que dans mes vidéos, je vous montre des cas où ça fonctionne, des cas où ça ne fonctionne pas. Et aussi que je vous explique quand ça ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Donc vous le savez, elle était en tendance haussière. En tendance haussière, le plus agressif, le trader agressif, peut acheter le long de la dynamique haussière. On avait une oblique qui passait par tous les plus bas. Donc ici, on avait un premier signal d'achat. Ou on peut acheter dans la reprise haussière. Ou on peut acheter la cassure de la résistance. Ou comme vous le savez, on peut acheter le pullback. On va partir du principe que vous n'avez pas acheté l'oblique ni la relance, mais que vous avez tout simplement acheté la cassure, voire même vous n'avez pas vu la cassure et vous avez acheté le pullback. Vous avez donc acheté du Argenx à 240 euros. Les cours repartent vers les plus hauts et là font un double échec, puis ils repartent à la baisse. Vous vous dites, ce n'est pas grave, elle est peut-être tout simplement en train de se placer dans un range et euh, on va donc mettre son stop sous les 240 euros à 235 euros par exemple et puis on sortira si ça casse ici le 4 janvier on fait une petite mèche basse on touche les 238 40 euros puis on tient et là vous vous dites bon ça va c'est tout juste faut pas aller plus bas donc vous mettez votre stop sous la mèche à 236 ou 235 par la suite la valeur ne tient pas on sort par le bas et votre stop est tapé du coup, vous avez acheté la valeur à 238 ou à 240 ou peut-être à 242. Le niveau est à 240 ou 238, donc vous avez mis un stop à 235. Si vous avez acheté à 242, vous êtes sorti à 235, vous êtes sorti en perte de 7 euros, soit 3%. Donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de mettre un stop à 10, 15, 20%. Il faut d'une part avoir une entrée précise. Et d'autre part, un stop pas forcément extrêmement large, mais un stop qui vous permet de sortir si le scénario s'invalide. Ici, on était sur un support, le support casse, on sort, on dégage. Et derrière, la valeur perd 10% de plus, et on y retournera plus tard, ou bien on n'y retournera pas. Ensuite, Fastly Inc. au Nice. Euh, alors là, c'est l'exemple d'une valeur qui. À titre personnel, moi ne m'intéresserai pas particulièrement. Je l'ai fait parce qu'un lecteur me l'a demandé. On a une zone de prix énorme ici à 75 dollars et on a une moyenne mobile à 200 périodes qui est en train d'arriver en soutien à 75 dollars. Donc, d'un simple coup d'œil, je constate qu'effectivement il y a une dynamique haussière de fond, mais que cette dynamique s'est un petit peu essoufflée. Je constate qu'à chaque fois que la valeur a voulu s'envoler, elle a subi un gap baissier par la suite, dont un gap baissier ici assez violent. De 25%. Donc, je ne souhaite pas forcément participer aux envolées haussières et ne pas me faire coincer, mais je vais potentiellement attendre un support, support horizontal qui en plus se recoupe avec MM200. Donc, je connais, je définis la zone d'entrée hypothétique sur laquelle je m'intéresserai au dossier, sous laquelle je pourrais placer un stop et avoir une invalidation claire sur ce même dossier. IVU trafic en Allemagne. Donc là, on est sur du trend following, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. D'un simple coup d'œil, vous voyez que ça, c'est la baisse du Covid, ça, c'est la remontée dans la foulée. Point très positif, c'est que le Covid a été effacé en l'espace de deux mois, donc ça veut dire que les opérateurs étaient très friands du titre. Ensuite, le titre s'est placé dans une consolidation horizontale sur les niveaux de ses anciens plus hauts. On a une zone de range, et puis ici, on a un signal. Donc ici, c'assure des 17 dollars. C'est un signal haussier, c'est haussier. Donc celui qui est dedans a un stop en théorie sous les 16,50 et espère donc que la dynamique haussière des prix va continuer à moyen terme. Celui qui n'en a pas, lui, escompte une un éventuel repli vers cette zone de prix avec la moyenne mobile à 200 périodes qui arrive en soutien. On passe à une autre action beaucoup plus euh, sportive au Nasdaq, Jaguar Health. Euh, donc là, on est, euh, je pense, euh, sur de la biotech, donc une valeur qui était extrêmement baissière à court, moyen, long terme. Simplement, il s'est passé un changement d'état d'esprit. Et ce changement d'état d'esprit, on peut le voir comment On peut le voir grâce au volume. Ici, nous avons un pic de volume historique et le titre casse sa moyenne mobile à 200 périodes pour la première fois, mais il n'arrive pas à s'en affranchir. Il se stabilise dessous et il va enfin valider son signal ici avec encore un volume historique. Alors, souvent, quand une valeur se réveille, il y a un premier choc haussier, puis une latéralisation, une consolidation qui va, qui va durer un certain temps, et ensuite seulement, on a euh, la valeur qui repart. Le premier exemple qui me vient à l'esprit pour vous montrer ceci, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble, mais c'est un peu l'esprit, c'est OSE Immuno. C'est une valeur euh, biotech dont j'ai parlé dans l'émission de la semaine dernière. Ici, vous voyez, OSE Immuno donne un signal et elle casse les 8 euros. Et ensuite, elle va consolider pendant deux séances avant de redonner un signal qui vient confirmer la cassure donnée au préalable. Parfois, ça va durer deux jours, parfois ça va durer deux mois. Par exemple, ici sur Oseimuno, on avait un signal haussier, puis pendant deux trois mois, elle va manger son son pain dur, et ensuite elle va redémarrer avec des volumes. Même chose, elle reconsolide, puis ensuite ça redémarre, et ensuite ça reconfirme. Bah là, c'est un peu la même chose sur Jacques. et, et, et pourquoi je vous dis ça parce que parce que quelqu'un que je connais a acheté du osé immuno à la cassure des 8 euros et parce que le surlendemain ça ne bougeait plus, il est sorti. Du coup, la séance suivante, la valeur prend 8% et il me dit Ah, oh, c'est bête, je suis sorti trop tôt. Bah oui, parce qu'il faut laisser du temps au, temps au marché euh, pour prendre note de ce qui s'est passé et que les nouveaux opérateurs rentrent. Donc, ici sur Jaguar Health, premier signal haussier, consolidation à plat, confirmation du signal haussier. Le problème, c'est que là, la valeur. Ce jour-là, bah, elle a gagné euh, 200%. Du coup. Euh, alors, attendez. Tic, 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 tic. Attendez, donnez-moi juste une seconde. Hop. Euh, tuc, 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 tuc. Hop là. Voilà. Donc. Ce que je vous disais c'est que ici elle a pris 200 c'était pas du tout simple de la prendre. Par contre, on pouvait suivre la cassure du plus haut. Donc ici la valeur fait un gap aussi énorme, elle ne le comble pas, elle se stabilise sur une zone horizontale, ça c'est pour les plus sportifs, on va dire. Ensuite, donc il y a une première entrée sur support ici à 0.65. Ensuite, il y a une entrée possible dans la relance haussière. Ensuite, il y a une entrée possible sur la cassure des plus hauts des dernières semaines à 1.35. Et ensuite le jeu c'est de savoir se laisser porter tout en gardant un stop large parce que vous voyez ici la valeur s'envole de 1,30 à 3, puis elle redescend à 1,90. C'est un peu comme le Bitcoin. Plus ça monte vite, plus ça peut retracer vite. Donc il faut savoir utiliser des stops larges et laisser du temps au temps. Il ne faut pas remonter son stop trop vite. Donc vous voyez ici la valeur clôture à 1,78, le lendemain elle monte à 3 euros. Elle revient tester son gap et son plus haut du 4 janvier, donc c'est plutôt propre. Et une fois qu'on aura testé ce niveau et qu'on commence à redémarrer là, là vous pouvez remonter votre stop. Donc si vous êtes rentré à 0,65 ou à 1, 1 dollar ou 1,30$, vous laissez la hausse se faire et ce n'est qu'au bout de 2-3 chandeliers, une fois que vous avez laissé une consolidation se faire, que vous pourrez remonter votre stop sous les 1,80. La valeur redémarre, elle s'envole de nouveau et elle, et elle va très rapidement à 4,50. De la même manière qu'elle est revenue tester sa zone de gap ici, elle le fait là. Sauf qu'ici, elle ne le ferme pas. Et là, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous décidez d'utiliser un stop large et vous laissez votre stop sous les 3 dollars, sous la zone de gap. Soit vous le remontez en stop serré juste sous les 3 dollars 20, sous les deux plus bas des deux dernières séances. Partant du principe que si on repasse sous cette zone-là, c'est qu'on va combler le gap précédent, voire consolider un petit peu plus. Et ça vous permet ainsi d'essayer de suivre cette fusée haussière le plus longtemps possible, tant qu'elle montera, euh, avec un stop large qui vous permet de ne pas sortir trop tôt et de pouvoir tenir la valeur dans la hausse. Ça reste très très spéculatif, ça reste du trading. Mais je voulais vous donner cet exemple avec la marche à suivre et les différents seuils à suivre. Sinon, si on veut des dossiers européens un peu plus soft, on peut aller voir Recticelle. Recticelle, on en a parlé dans une émission au mois de novembre parce qu'elle était en train de casser une énorme zone, ici la zone des 9,50. Et c'est une zone sous laquelle elle avait passé euh, deux ans. Donc, la cassure des 9,50 ici était vraiment violente. Et dans la foulée, elle a fait quoi? Elle a même cassé les 10,50 euros. Et les 10,50 euros, c'était quoi quand on prend du recul? Et je vous invite vraiment à prendre du recul sur vos graphiques. C'était les plus hauts de 2018. Et elle se dirige où, là, en fait, sur ses plus hauts historiques. Donc là, on a une sorte de green line euh, breakout, la stratégie de cassure du cours d'introduction, voire dans la foulée du cassure du plus haut historique. Donc on a une tendance haussière court terme, moyen terme, long terme. On a une cassure des plus hauts des dix dernières années et on est en train d'attaquer les plus hauts historiques. C'est magnifique. On a parlé de cette valeur quand elle a cassé ici début décembre et ensuite j'attendais une consolidation et j'avais mis une alerte vers 10,20 ici. Ah bah non, vous voyez, elle est à 9,90. Mais j'en avais mis deux me semble-t-il, une au-dessus des 10, une en dessous des 10. Sauf qu'elle n'a pas voulu revenir à 10. Et donc je tombe dessus hier en regardant euh, toutes les actions européennes, en scannant mes listes, et je vois qu'elle a fait une étoile du matin ici, qu'elle est en train de se retourner à la hausse, qu'elle est en train de repartir, qu'elle a cassé MM20, et je la trouve superbe. Donc hier, j'ai rédigé une analyse, euh, juste avant la clôture me semble-t-il, sur Recticel. Alors, je vais vous montrer comment les trouver les analyses pour ceux qui ne savent pas encore. Donc vous allez sur le site zone bourse, vous allez sur la valeur recticelle, vous descendez en bas de la page et vous trouvez la dernière analyse sur l'action. Et donc c'est une analyse où je dis voilà euh, la dynamique est haussière, point fort, point faible, c'est une valeur qui est super bien notée. elle est à 5 étoiles en trading et en investissement et euh, 4 étoiles en investissement 5 en trading, et donc, mon anticipation, c'était qu'on allait casser les plus hauts récents, puis se diriger vers les plus hauts historiques, puis peut-être encore continuer de grimper. Donc, j'ai fait une analyse, et l'objectif de cette analyse, c'est quoi C'est les 13,68. Voilà. Donc, euh, j'ai pris en fait le mouvement haussier ici à la cassure des 9, et je l'ai reporté ici pour me donner un objectif haussier théorique. C'est ce qu'on appelle les fameux effets de balançoire. Donc euh, bon bah si vous avez eu le temps de la voir euh, hier euh, et de rentrer hier ou ce matin bravo donc ici bah voilà trend following tendance haussière court terme moyen terme long terme il y a les traders agressifs qui rentrent sur le support il y en a qui rentrent dans la relance haussière c'était le but de mon analyse il y en a qui rentrent à la cassure des plus hauts annuels et puis il y en a ensuite qui surveillent la cassure des plus hauts historiques éventuels avec pour but de viser donc un effet euh, par report de range, ici vers la zone des 13,60, 13,70. Franchement, euh, moi je ne chercherais que ça. Des dossiers de qualité avec des fondamentaux de qualité, soit cotés en Europe, soit aux États-Unis, mais l'Europe c'est quand même plus facile pour la plupart d'entre vous. Des valeurs qui sont haussières à court terme, moyen terme, long terme, des valeurs qui sont soutenues par des volumes très forts. Des valeurs qui sont en dynamique haussière et qui régulièrement cassent les plus hauts et continuent de faire des plus en plus hauts. Et vous le verrez dans la partie trend following, on va avoir que des titres comme ça et c'est quand même plus simple que tout le reste. C'est quand même plus simple que d'aller essayer de trader Danone qui est baissière à moyen terme, neutre à, à court terme, ou que Michelin qui est à la confluence entre une dynamique baissière de long terme et une tendance haussière court terme. C'est plus simple que Orange qui se cherche. Bref. Parfois, il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut regarder ce qui se fait en France et en Europe, et il faut privilégier des dossiers haussiers parce qu'une valeur haussière aura toujours plus de probabilité de faire une hausse supplémentaire qu'une valeur baissière de se retourner. On passe à... Infineon, infinéon secteur des semi-conducteurs, en Allemagne, c'est comme SALM, c'est comme euh, STM, on aime beaucoup ce secteur chez Zone Bourse pour jouer la reprise économique en 2021. Euh, donc ici on a des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut, on est en dynamique haussière de long terme et on est dans un canal haussier. En fait, ce canal haussier est le seul bémol que j'ai trouvé sur cette valeur qui laisse entendre qu'à court terme elle est un petit peu surextendue. Elle a gagné en fait 50% en l'espace de quelques semaines. Et donc si on avait envie d'en acheter sur repli, on aimerait bien un repli vers les 30-31 euros. Si vous êtes dedans, euh, bravo Bravo, très beau dossier, tant qu'on est au-dessus de ce canal haussier à moyen et long terme, tout est fortement haussier. Donc pour ceux qui sont haussiers et qui sont dedans depuis longtemps, les stops sont au minimum sous les 28 euros, sont larges. Si on est dessus à l'achat à 20, 22, 24, 26, même 29 ou 30 euros, le stop en théorie reste sous les 28 euros. Si on l'a acheté à court terme à 30 euros, qu'on gagne 15% très rapidement, on peut avoir envie de remonter le stop sous le gap. Et si on veut en acheter, <coughs> on espère que la valeur va un moment trébucher, revenir vers des zones de soutien que l'on puisse se placer à l'achat dans le sens de la tendance. Et puis on finit par une valeur dans l'immobilier en Belgique pour Pascal, un membre émérite qui me propose très souvent soit de la musique classique, soit des valeurs. Merci Pascal. Et donc vous voyez ici une belle zone de soutien sur les 47 euros. Qui correspond à la borne basse d'un triangle et qui est en plus soutenu par la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, tant qu'on est au-dessus des 47 euros, on est dans l'espoir d'une stabilisation à plat qui, par la suite, pourrait engendrer une sortie de triangle par le haut et donc un retour vers les plus hauts de 2020, voire les plus hauts historiques. Le plan d'un acheteur sur ce support, c'est de viser là, puis que ça casse, de viser là, puis que ça casse, de viser les plus hauts et son stop, en théorie, se trouve sous le support. On va maintenant passer aux actions Trend Following. Pour finir, ce sont des actions, il y a eu sept actions, il y en a six sur lesquelles j'ai fait des émissions, des analyses ou des, euh, ou des tweets. Je crois que la seule dont j'ai pas parlé depuis un certain temps, c'est Eurobioscientifique. Et donc voilà, ça c'est vraiment mes actions préférées, euh, les actions haussières. Donc là vous avez Carbios, voilà. Donc Carbios c'est encore une stratégie de green line breakout puisque c'est une valeur qui sortie de nulle part en mars 2020 est repartie à la hausse et a cassé son cours d'introduction et ses plus hauts historiques à 14 euros. Et depuis, elle a quadruplé. Donc ça, on dirait une valeur américaine. Et on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de valeurs françaises et européennes qui ont cette tête-là. Mais vous avez peut-être remarqué dans les émissions qu'on fait ces derniers temps, il y en a de plus en plus. Et c'est ça qu'on aime. Donc une valeur qui sort de nulle part, qui rentre dans une dynamique haussière extrêmement puissante. Et qui, en données journalières, est relativement propre à travailler. Je pense notamment à cette zone de consolidation-ci, où elle s'était mise dans un range range qu'on retrouvait exactement sur Macfi qui lui ressemblait énormément. Et donc, on avait ici, euh, fin octobre, un point bas parfait à 27 euros sur Carbios. Là, on avait un point d'achat sur support. On pouvait acheter aussi dans la reprise. On pouvait aussi acheter dans la cassure ou encore dans la cassure des plus hauts annuels. Simplement, il faut savoir que quand on achète la quatrième cassure... On peut gagner très rapidement 10, 15, 20%, mais ces 10, 15, 20% qui peuvent aussi s'évaporer rapidement si on fait un pullback. Donc c'est pour ça, quand on paye les supports ou les relances, on a des points d'entrée qui sont meilleurs, qui permettent de tenir plus longtemps, plus facilement. Alors que ton, quand on rentre dans la cassure des plus hauts, parfois bah, on passe par un gain rapide en l'attente puis on repasse par une petite perte, puis on doit patienter. C'est pour ça que je donne autant d'importance au timing. Et c'est pour ça que je vous dis, quand vous n'avez pas le bon timing, bah, utilisez d'un stop large. Carbios, je l'ai publié plusieurs fois sur Twitter à 40 euros. Et je disais, voilà, on a une dynamique haussière à court terme, à moyen terme, à long terme. Il faut surveiller l'éventuelle sortie de cette zone-là par le haut. On est sorti par le haut, on a accéléré, on a cassé les plus hauts euh, de 2020. Et on est toujours haussier. Et, euh, et on se laisse porter. Voilà. Donc, euh, si on consolide, euh, ceux qui n'en ont pas profiteront potentiellement pour en acheter. Et puis, si on continue de grimper, les acheteurs remontent leur stop de protection. Si vous avez acheté du Carbios à 40 euros, que vous gagnez 20%, certains visent 60 euros, ne touchent à rien. D'autres prennent un petit peu de gain pour se faire du bien au cerveau. Euh, dans tous les cas, vous pouvez en théorie désormais mettre votre stop à zéro, c'est-à-dire à 39 ou à 40 euros. Qu'est-ce qu'un stop à zéro Ça veut dire que vous avez acheté à 40 euros avec un stop à 36. La valeur monte à 49 euros, vous gagnez 20%, 25% même. Vous mettez votre stop à 40 euros, c'est-à-dire à votre cours d'entrée. Comme ça, si l'action monte, vous gagnez. Si l'action baisse, vous sortez à zéro et vous ne perdez rien du tout. Ensuite, Eurobio scientifique. Donc, la voici. Haussière à court terme, à moyen terme et à long terme. Et elle approche de son plus haut historique. Alors, le plus haut historique, il est ici à 20,80 euros. Et le plus haut de 2020, il est à 19,50. Donc ce sont deux zones de résistance, mais aussi d'accélération théorique. Alors là, il y a un... la valeur, elle a accéléré hier, elle a fait un petit gap ce matin qu'elle a... Qu a pratiquement comblé, me semble-t-il, mais c'est plus dans une optique de moyen terme que je voulais vous en parler. Il voilà. ne faut pas retourner sous la dernière zone de consolidation. Donc pour ceux qui sont à l'achat dans une optique de moyen terme, en théorie, vos stops ne doivent pas être montés trop vite, ils doivent être sous les 16 euros. Et votre espoir, c'est qu'on rallie les plus hauts à 19,50, puis qu'on les casse. Donc là, vous avez un point d'accélération à 19,2, les plus hauts de novembre, puis un point d'accélération à 19,50, les plus hauts de 2020, puis un objectif et un point d'accélération éventuel à 20,8, les plus hauts historiques. Donc en théorie, tendance haussière, court terme, moyen terme, long terme, on remonte les stops sous le support et on escompte des cassures de résistance. C'est ça le trend following. Guillemot. Alors guillemot, bah, trend following aussi. Alors trend following, ici vous voyez que c'est un peu différent. On n'est pas sur de la green line breakout puisque c'est une action qui dans les années 2000 avait explosé, mais on est dans un renouveau, dans quelque chose de, de, de vraiment fort. Il y avait eu un réveil en 2017, et puis là en 2020, on a vraiment eu le retour en force de Guillemot, avec une cassure ici à 7 euros des plus hauts des dernières années, et depuis une accélération de 30%. Donc vous voyez une belle tendance haussière sur les dernières semaines, et quand on se met en journalier, donc Guillemot, moi j'ai fait deux analyses dessus. Euh, je vous ai fait une première analyse sur le site Zone Bourse ici. Pour dire elle peut retourner sur ses plus hauts, ce qu'elle a fait, et je vous ai refait une analyse sur zone bourse ici pour vous dire elle peut aller chercher des nouveaux plus hauts, ce qu'elle a fait. Et donc, vous avez plein de possibilités pour trader ce genre d'action soit vous êtes à long terme, vous en avez acheté à 4, à 6, à 7 ou à 8, et puis vous remontez votre stop potentiellement sous les 7 euros et vous laissez courir. Soit vous faites du trading et donc vous achetez des accélérations pour gagner des plus 15. Soit vous faites du moyen terme et vous allez essayer d'aller chercher des plus 20 plus 30, puis d'alléger, puis de travailler votre position petit à petit. Ce qui est intéressant sur les valeurs de trend following, c'est on a une dynamique haussière puis une consolidation. Donc ici on a un support, on peut acheter sur le support ou on peut acheter dans la reprise haussière. Ensuite la valeur se met dans un dans une zone de consolidation horizontale, on surveille la cassure et on peut acheter soit la zone de soutien, soit la cassure haussière et faire un gain rapide. Trend, faux, low wing, j'achète le support, la relance, les cassures ou les cassures de plus haut annuel et je me laisse courir le plus longtemps possible dans le sens de la dynamique haussière. Et pour trouver un objectif haussier théorique, je prends le dernier range dans lequel nous avons fluctué, je le reporte à la cassure et ça me donne un objectif haussier théorique vers 11,40€ désormais. Me concernant, j'ai fait une analyse là, une là, les objectifs ont été atteints et après le beau mouvement haussier qu'elle vient de faire, un pullback, donc un retour sur la zone des 9€, serait peut-être une opportunité pour ceux qui n'en ont pas de s'y intéresser. Ensuite, Inventiva, une biotech française que je vous ai dit surveiller dans l'émission précédente. Alors, dans l'émission précédente, il y avait pas mal de dossiers que je vous ai dit, à surveiller, que je vous ai dit surveiller. Il y avait Medincel, une biotech spéculative. C'est un petit dossier. Je vous l'avais juste donné parce que elle était dans un range super propre et que sa cassure pouvait être explosive. Bon, bah, ça a été le cas. Vous avez été très nombreux à payer la cassure des 11,40 €. Et vous avez été très nombreux à sortir autour des, des 15-16 euros. Donc, vous avez gagné 40 à 50 en l'espace de moins d'une semaine. Chapeau bas, bravo à vous. Ensuite, je vous avais donné Technip à surveiller sur cassure. Sur la cassure des 8,34 euros, elle a cassé. Elle a gagné 15 dans la foulée. Je vous ai même fait une analyse sur Zone Bourse le jour où elle a cassé ici, le mardi 5 janvier, pour que ceux qui n'avaient pas suivi l'émission puissent potentiellement prendre position. Donc, 15 depuis. Euh, on avait aussi parlé d'osée immunos, du coup, dans l'émission précédente, à surveiller sur la cassure des 8 euros. Donc elle a cassé les 8 euros. On avait aussi parlé d'Exmar, euh, qui devait casser MM200 à 2,90. Elle les a cassés, elle a pris 13% dans la foulée. Donc voilà, on avait du Medincel, du Exmar, du Technip, euh, il y avait un peu de tout. Des dossiers qui étaient déjà haussiers ou baissiers ou sous MM200. C'était différents types d'exemples en fait, de sorties de consolidation que l'on pouvait suivre. Et je vous avais donné Inventiva également à suivre euh, parce qu'elle est dans un grand range depuis plusieurs semaines, entre 9,60 et 12,80 euros, et qu'elle était en train de s'approcher du, du haut du range. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Il y a ceux qui tout simplement attendent le passage du Haut-du-Range et donc qui ont acheté hier à 12,80€ sur le passage hypothétique du Haut-du-Range. Alors, plusieurs personnes me disaient hier est-ce qu'on va passer Est-ce que ça passe Est-ce que ça passe pas On vient de faire 13,20€, ensuite on est revenu à 12,60€, ensuite on a clôturé tout juste à 12,80€. Alors, vous êtes sur une biotech de 1, donc c'est volatile. 2 euh, 2 de vous voyez qu'hier elle attaque sa résistance mais qu'elle arrive sur sa résistance elle est déjà à plus 8 donc on se dit que forcément ça va pas être forcément évident de la passer et de la casser et de prendre plus 20 dans la journée non plus. Et puis vous voyez il y a deux configurations de range. Il y a le range où le range est assez serré. Euh, bah, on va reprendre l'exemple de Xfab tout à l'heure. on est dans un range assez serré, et puis, les cours, d'un coup, attaquent le haut du range. Mais encore, je trouve ça pas complètement clair comme exemple. Peut-être Médincel. Oui, Médincel, vous voyez, elle était ici sous son range le lundi 4 janvier. Et le lendemain, elle a juste à prendre 3-4% pour casser le haut de son range. Inventiva, elle, elle vient... Elle vient déjà de prendre 20% pour arriver sur le haut de son range. Donc, on se dit que la cassure du haut du range ne sera pas pas si évident, pas si facile. Donc on peut acheter les 12,80 sur cassure du haut du range, mais ensuite on sait qu'il faudra utiliser un stop un minimum large. Voilà. D'autres personnes m'ont dit, bah moi j'ai anticipé, j'ai acheté ici dans la consolidation à plat à 11,90€ parce que j'escomptais qu'on aille chercher le haut du range et j'avais envie d'avoir de l'avance. D'autres ont constaté qu'Inventiva avait gapé sur, euh, sur la séance du lundi 11 janvier, qu'elle commençait à accélérer, qu'elle cassait les, les 1240, 1250, les plus hauts du 4 janvier, et donc ils ont acheté les 1250. Et ça c'est peut-être le meilleur euh, compromis. Vous n'avez pas acheté dans une latéralisation, vous avez acheté quand il y avait de l'action, mais vous avez acheté à 12,40 ou 12,50 parce que vous achetiez la cassure des plus hauts annuels, dans l'anticipation qu'on aille chercher le haut du range, et aussi afin d'avoir un petit peu d'avance, et afin d'avoir aussi un stop un peu plus large sous les 12 euros et d'être peinard, et de ne pas justement vous mettre à douter à savoir est-ce que ça va passer ou est-ce que ça ne va pas passer. En théorie, sur NVentiva, c'est une biotech, c'est volatile, on fait du moyen terme. On vient d'attaquer une résistance à 12,80. Le dernier support, il est ici à 11,80. Donc le stop doit être en théorie sous le support. Et donc on n'achète pas à 12,80 avec un stop à 12,50, ce qui est complètement euh, irréaliste. Dans 90% des cas, on viendra se faire racler par le stop. On achète une valeur sur laquelle on espère quoi On espère un report de range. Donc on espère des nouveaux plus hauts annuels qui seraient même. Des nouveaux plus hauts historiques. En fait, on espère qu'on va aller chercher. On est encore ici dans un Green Line Breakout Strategy. On a cassé le cours d'introduction. On a cassé les plus hauts historiques en 2020. On a consolidé un certain temps. Et là, on est en train de jouer un retour sur les plus hauts historiques. Voir leur dépassement. Donc, si on achète du Inventiva à 12,80, c'est qu'en fait, on vise 16 euros. Donc, on vise avec la petite règle. Hop. On vise 25% de hausse. Qui dit 25% de hausse dit qu'on utilise un stop de 8 à 10%. Si j'achète 12,80 et que je mets 10% de stop, ça fait 11,6. C'est parfait. Par contre, si j'achète à 12,80 avec un stop de 3 ou 4%, autant ne rien faire. Je me laisse pas grande chance et j'ai 90% de chance que sur une mèche basse ou un simple repli, je me fasse sortir avant qu'éventuellement la valeur fasse ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire monter. Ensuite, Nekon. Alors, Nekon, vous êtes tous à l'affût. Hein. Euh, effectivement, Nekon, donc est dans une belle dynamique haussière, dans un canal haussier, et elle est posée sur sa borne basse. Le petit bémol, c'est que Nekon baisse depuis 15 jours, alors que le CAC est quand même relativement soutenu depuis 15 jours. Et c'est que Nekon baisse alors que la plupart des autres belles valeurs de trend following que je vous ai montrées jusqu'ici continuent de grimper. Dans pareille situation, je n'aurais donc pas tendance à me presser. Je n'ai rien en fait qui m'oblige à me presser. Euh, puisque bah, je pars du principe que si le marché monte, elle peut remonter mais qu'elle n'ira pas trop vite et que j'aurai le temps de rentrer. Mais aussi que si le marché baisse, étant donné qu'elle a sous-performé, elle pourrait sous-performer aussi et donc continuer de baisser un peu. Si je suis un acheteur de moyen-long terme et que j'avais pas envie de me poser de questions, effectivement j'ai mis un achat à 7,51 ou 7,52 et j'ai été fait. Si je ne suis pas sûr de moi et que je veux patienter un petit peu, j'attends un éventuel trou d'air, ce qui ne serait pas la fin du monde, sur les 7,40€, donc sur les plus bas ici du mois de novembre voire pourquoi pas en direction de la moyenne mobile à 100 périodes qui se trouve vers 7,20€. En fait, on a une zone de prix qui a été très travaillée ici, entre 6,90 et 7,50€ avant qu'on s'en extrait par le haut et qu'on continue de grimper. Et donc, en fait, en revenant ici sur 7,50, voire pourquoi pas une petite mèche sur 7,40, voire 7,20€, on retesterait la zone précédemment cassée avant d'éventuellement repartir dans le sens de la hausse. Et puis vous voyez bien que parfois on va un peu au-dessus du canal, parfois on va un peu en dessous du canal. C'est une dynamique en fait ce canal haussier. Il faut pas non plus le prendre trop au pied de la lettre. Ce qui compte c'est qu'on est toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et. Si Nekon demain fait un petit trou d'air à 7,20 avant d'éventuellement repartir, ce n'est pas la fin du monde. Donc j'ai des personnes qui m'ont dit j'achète à 7,50€, je mets un stop à 7,40€. Alors déjà, vous n'avez rien compris, si vous achetez du Nekon avec un stop à 1,5%, c'est pas compatible. Il faut mettre des stops de 5, 7, 10%. Vous visez quoi sur Nekon? Vous visez du moyen long terme et vous espérez qu'on retourne vers les plus hauts historiques, vers 9 voire 10 euros. Donc, vous essayez d'acheter à 750 ou 730 ou au pire sur une mèche. C'est pour ça que ici elle a fait une mèche, ici elle a fait une mèche, ici elle a fait une mèche. Je me dis que vu qu'elle n'a pas fait de mèche, vu que je crains que le 440 baisse un petit peu, il faut que j'anticipe le scénario d'une mèche éventuelle dans ma stratégie d'achat et dans ma stratégie de stop. C'est la raison pour laquelle je vois pas de raison de se presser, je comprendrais quelqu'un qui mettrait un achat à 7,30€ et qui profiterait en fait des stops trop courts des autres pour pouvoir se faire déclencher. En effet, si on a une mèche basse, qu'on a des gens qui flippent, qu'on a des gens qui ont mis des stops trop courts, si le marché baisse et que Nekon baisse, les stops pourraient passer en pagaille et elle pourrait nous faire une mèche dont elle seule a le secret. Et les mèches parfois sont vachement larges. Donc, j'aurais tendance, moi, à ne pas me presser. Si je mettais des ordres d'achat, à les mettre sous les cours en espérant un trou d'air avec un stop super large. Comme ça, si Nekon fait un trou d'air avant de repartir, plutôt que d'avoir plein de gens qui me disent Oh, je me suis fait avoir sur Nekon, j'avais mis un stop court, je me suis fait sortir j'aurai plein de gens qui me diront Oh, j'ai acheté du Nekon sous le bas de canal, sur la mèche ça y est, j'ai compris la leçon. Voilà, voilà. Ensuite, on va regarder Valneva, mais est-ce qu'on va pouvoir voir grand-chose sur Valneva Bah non, parce que Valneva, elle n'est pas encore ouverte. Parce qu'il y a une super news qui est tombée. Et euh, Valneva est réservée à la hausse. Donc Valneva, ce que je voulais vous montrer avant que la news tombe, elle était déjà dans ma liste. C'était tout simplement la beauté de ce graphique. Alors, tout n'est pas parfait en bourse. Par exemple, ici, on a des cours qui font des plus bas de plus en plus haut. Mais là. On a un repli qui est un peu profond, qui n'était pas facile à prendre. Ensuite, la valeur casse, plus haut, elle accélère. Et puis là, de nouveau, les résultats, ce pas facile. Du coup, elle a fait un repli profond, ce n'était pas facile non plus. Donc, parfois, on se prend un stop, c'est le jeu, c'est comme ça. Néanmoins, on peut constater qu'ensuite, Valneva nous a redonné des chances. Regardez ici cette oblique baissière que j'avais tracée. Elle nous avait donné un signal aussi à 6 euros. On avait accéléré. On avait eu un pullback à 6 euros. C'était superbe. Je voulais, je voulais publier sur Twitter à la cassure et au pullback. Ensuite, on a cassé les plus hauts annuels, puis elle a accéléré vers ses plus hauts historiques, sous lesquels elle a consolidé par la suite. Je vous ai publié un graphique de Valneva ici, le 29 décembre. Je m'en souviens comme si c'était hier, quand elle est revenue pile poil sur ses plus hauts de septembre. Je vous ai reposté un graphique hier sur Valneva dans la hausse en disant quelque chose de très simple. C'est les trois principes que vous devez retenir quand vous faites du trend following et quand vous faites des achats à moyen terme sur les actions. Le premier, c'est une tendance haussière est caractérisée par des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc ici, on a bien des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. La probabilité de gain est plus élevée sur une action haussière qu'une action baissière. Ici, on est sur une action haussière, donc les probabilités vont dans notre sens. En tendance haussière, les résistances cassées deviennent support, donc des zones d'achat. Donc vous voyez ici, on avait une zone de résistance qui correspondait au plus haut de, de, de novembre, euh, de septembre 2020, je veux dire, à 7,20€. On l'a cassé là, on a fait le pullback, donc toujours le même système, comme je vous le répète depuis ce début d'émission, sur plein d'actions, c'est... Bête et méchant, et bête et méchant, on prend les valeurs, on prend la cassure, on attend le pullback, on achète le pullback, on met le stop dessous. C'est là où, si vous voulez, bien évidemment qu'il y a des fois où on se fera stopper, bien évidemment, ou des fois le support va casser, bien évidemment, des fois on se prendra des mèches. Mais si, globalement, vous achetez des actions haussières, que vous achetez soit des cassures, soit des pullbacks, les probabilités sont dans votre sens... Et vous allez donc de temps en temps vous faire stopper et perdre 3, 5, 7%. Et de temps en temps gagner 10, 20, 30, 50%. Le but en bourse, encore une fois, n'est absolument pas de gagner dans 70, 80, 90% des cas. Si vous regardez mes analyses, vous verrez que 50% des analyses sont gagnantes, 50% des analyses sont perdantes. Par contre, quand je me fais stopper, c'est 2, 3, 5, 7%. Et quand je gagne, c'est... 7, 10, 15, 22, 40%. Donc même en gagnant dans 50% des cas, vous gagnez sur le long terme et vous avez votre portefeuille qui grimpe. Euh, donc voilà, bravo pour tous ceux qui sont sur Valneva, que vous ayez acheté le support ou le redémarrage. On va ouvrir sur une zone de résistance sur les plus hauts de 2020. Ça vaut peut-être le coup de prendre un petit peu de bénéfice, ou bien de laisser le cours d'ouverture se faire. Et si on casse très rapidement les 9 euros et les plus hauts de 2020, à ce moment-là, de remonter votre stop sous les 8,80 par exemple, donc 2-3% sous l'ouverture, sous la cassure. Donc je sais qu'habituellement, quand une biotech ouvre à plus 30, 40, 50, 60%, je vous dis de sortir directement. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les probabilités qui disent qu'en général, il vaut mieux sortir. Là, si on ouvre à plus 10 piles sur niveau, ça vaut le coup de voir si ça paye à la cassure et qu'on casse les 9, auquel cas vous pouvez remonter le stop, ou si ça vend à l'ouverture, auquel cas il conviendra de prendre quelques bénéfices. Et on finit avec une dernière valeur, Whitby. Et là, on est encore dans du trend following, dans du euh, Green Line Breakout. Alors, si ça fait 5 fois que vous entendez Green Line Breakout et que vous ne savez pas ce que c'est, j'espère bien que vous serez allé sur Google. Et que vous aurez tapé Green Line Breakout. Comme ça, vous aurez trouvé ce bel article avec plein d'exemples dedans. Le concept de la Green Line Breakout, c'est que quand une valeur va se coter en bourse, elle va créer un extrême, son cours d'ouverture, et parfois son cours de plus haut historique va se coïncider avec son cours d'ouverture. Donc on va attendre de casser la zone qui correspond au plus haut historique et au plus haut d'introduction de la valeur. Parce que généralement, une fois qu'on casse ce niveau, c'est le début d'une belle aventure. Ici sur Whitby, on a donc une valeur qui cote en 2016, qui baisse pendant des années, et qui est là, est en train de repartir du néant vers son cours d'introduction qu'elle a cassé, à 9 euros, vers son plus haut historique qui est à 12 euros. Donc là, on est dans la Green Line Breakout Strategy, on est dans du trend following. Donc trend is your friend, on a des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, et on a plein de moyens de rentrer sur ce dossier. Et là, on approche des 12 euros. Les 12,15 euros, c'est les plus hauts historiques, à mon avis. Et si on casse ça, de nouveau, ça peut continuer de grimper. Alors, on n'oublie pas de prendre des, des gains de temps en temps, de remonter les stops de temps en temps. Là, elle vient de prendre 30 donc je ne vous dis pas d'acheter maintenant. Mais encore une fois, je vous dis que c'est ce type de dossier qui nous intéresse. Hausse, conso, hausse, conso, hausse, et ainsi de suite. Donc nous, ce qui nous intéressera, ce sera de rentrer... Soit sur un beau support horizontal. C'est exactement le même cas que Valneva. Hein, vous voyez, elle avait fait un plus haut en octobre, elle le casse en novembre, elle revient se poser dessus, elle redémarre. On peut donc acheter soit le niveau horizontal, soit le redémarrage, soit le redémarrage, soit l'accélération avec le cassure du plus haut de l'année passée. Et on se laisse porter et ainsi de suite. Alors, il y a ceux qui se mettent dessus à court terme, qui prennent 10, 20, 30% et qui sortent. Et puis, il y a ceux qui, un jour, en achètent, Ici par exemple, à 5 euros, et puis qui derrière auront laissé leur stop sous 5 euros et n'y toucheront plus. Et aujourd'hui en l'espace de 3 mois, ils gagnent plus de 100%. De 100%. Et je, je vous invite à vous poser la question. C'est la même chose sur Gossin, c'est la même chose sur Navia, c'est la même chose sur Macfi. Souhaitez-vous être un trader et donc payer les accélérations haussières quand elles redémarrent pour gagner 20-30% et sortir, et faire ça plusieurs fois ou souhaitez-vous à un moment donné être un simple investisseur qui va à un moment donné acheter une cassure de plus haut annuel et qui va ne plus toucher à sa position Et là, en l'occurrence, j'en profite pour vous dire que sur Gossin, on arrive à 13,60. 13,60, c'est une résistance de mai 2016. Euh, vous voyez bien que la valeur a tendance à faire une hausse, une conso, une hausse, une conso une hausse, une conso, et que là on vient de faire une hausse. Qu on vient de frôler les 1360 un gros niveau. Donc je sais qu'on parle de trend following, je sais qu'on parle de garder des stops larges et que ça monte à moyen-long terme. Et pour des gens qui ont acheté à 6, 7, 8, 9, je peux le concevoir. Par contre, pour quelqu'un qui aurait acheté récemment sur la relance haussière 10,50€, on vient d'atteindre 30% de hausse rapide, une résistance majeure, et il faut peut-être donc penser à prendre au moins une partie de ses bénéfices. Euh, par principe. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous ai montré ce qui était peu intéressant, pas intéressant, très intéressant. J'ai essayé de vous montrer par A plus B que, que ce soit en France, en Allemagne, en Hollande, aux États-Unis, les valeurs trend following, les valeurs haussières à court, à moyen, long terme sont des valeurs sur lesquelles on a plus souvent des bonnes nouvelles que des autres plus souvent des relances haussières, plus souvent des cassures de plus haut annuel ou de plus haut historique que les autres. Ce sont globalement des bons dossiers, même si parfois ce sont des dossiers qu'on paye un petit peu cher. Euh, et ce sont en tous les cas des dossiers sur lesquels on peut se laisser porter et sur lesquels on peut faire des beaux gains. Félicitations à tous ceux qui l'ont compris, en espérant également que tous les débutants, plutôt que d'aller trader des actions baissières, des valeurs illiquides ou des biotech s'intéresseront à des dossiers haussiers de qualité et essaieront de faire du trend following, que ce soit à court terme ou à long terme. Voilà pour moi, c'est la fin euh, de cette émission. Pause à la fin de cette semaine. La semaine prochaine, donc je serai absent, je serai euh, à la neige. Non, je ne serai pas en Suisse euh, pour faire du ski illégal, je serai en France pour faire de la marche du chien de traîneau et des balades, profiter, euh, prendre un petit peu l'air euh, et faire une petite pause avec ces marchés qui, de, depuis deux mois, deux mois et demi, ont été euh, extrêmement captivants, prenants, mais aussi fatigants. Donc, euh, voilà, j'espère vous revenir en pleine forme avec plein de nouvelles idées pour nos prochaines émissions. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir